Bonjour et bienvenue dans mon antre de la forêt de Fontainebleau. Nous sommes ici aujourd'hui dans la mer de sable, non loin de Nemours, pour vous présenter cette Nissan Ariya. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette Nissan Ariya? C'est la première version e-Force qui arrive sur le marché. Qu'est-ce que l'e-Force? C'est tout simplement la version intégrale qui nous est présentée. Alors, vous avez donc un moteur à l'arrière, un moteur à l'avant, et l'ensemble produit 306 chevaux. Autant vous dire que ça pousse fort, c'est une voiture électrique. Donc le coupé est disponible immédiatement, ça vous plaque au siège, mais clairement ce SUV n'est pas un sportif. Non, c'est étrangement une voiture familiale qui se conduit sur un filet d'électrons, qui est extrêmement confortable, qui est silencieux, et surtout son avantage majeur, c'est son habitacle. Il est extrêmement bien fini, on a l'impression d'être dans une premium. Vraiment, ça nous change des SUV un peu bâclés, électriques un peu bâclés, qu'on peut avoir par exemple chez les Teutons. Là, vraiment, j'ai vraiment apprécié son intérieur fluide, zen, aucun bruit à l'intérieur, bien fini, avec de l'Alcantara, des beaux écrans, ça se branche facilement. Non, c'est vraiment très très intéressant et l'habitacle est aussi volumineux. Je peux vous dire, parce que ça fait 10 jours que je l'ai et j'ai même mis mon gamin dedans de 18 mois et tout se passe bien, il y a beaucoup d'espace. Le seul bémol qu'on peut avoir pour un SUV de ce gabarit-là, c'est le coffre qui est un peu tronqué, qui fait moins de 420 litres, ce qui est plutôt moyen. Par contre, le reste à l'intérieur, c'est vraiment génial. Et moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette prise en main de cette version-là, bon, évidemment, c'est puissant, ça pousse, ok, ça reste de l'électrique, mais c'est surtout son confort. Vraiment, j'ai apprécié la conduire comme rarement. Ça, c'est vraiment une nouveauté pour moi. Et après, si on parle de son design, en dehors de la couleur qui est spécifique et que les gens m'ont même arrêté pour me demander c'est quoi comme couleur, ça porte un nom très 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 particulier, je pense que je vais le mettre dans la vidéo le nom en bas, mais bon, c'est une couleur champagne qui est vraiment du plus bel effet, et en plus avec ce toit noir et la calandre noire, ça lui donne vraiment du caractère. Moi je trouve que ce design qui est très spécial est en fait très valorisant, il est vraiment valorisant, on voit très bien que les gens s'arrêtent pour le regarder, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui roule? C'est un peu un orni, ce que j'aime appeler l'objet roulant non identifié. Bon, allez, on va faire un tour ensemble sur ce design. Bon, alors, vous avez donc cette fameuse calandre, très spécifique, avec le glossy ici, donc une calandre vraiment fermée. Et là, vous avez cette fameuse signature lumineuse qui est typique de cette Nissan. Là, nous avons droit donc avec cette version e-Force à l'option jante de 20 pouces et avec ces panneaux là aérodynamiques, et ça aussi c'est plutôt joli. Le profil est très intéressant puisque comme vous pouvez voir, vous avez la porte du hayon qui fait genre SUV coupé. Et comme les choses se passent bien, il suffit d'un geste pour ouvrir le fameux coffre qui, comme vous pouvez le voir, est très profond. Mais ce petit panneau qui fait donc un plancher plat n'ouvre vraiment sur rien à part voilà juste le rangement de câbles. Donc la poussette passe, mais c'est un peu juste. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Au départ, pour moi, le design, je le trouvais presque un peu ingrat, mais en réalité, c'est vraiment très sympa. Il est vraiment différent, mais différent dans le bon sens. Donc j'ai vraiment appris à aimer son allure, vraiment. Donc
qu'est-ce qu'il faut retenir de ce véhicule-là? C'est que c'est surtout donc un SUV pour rouler et c'est vraiment très agréable. Comme je dis, j'étais surpris, j'avais envie de rouler avec. Pourtant, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours avec Fontainebleau et Paris, et c'est pas forcément les choses les plus agréables à faire, surtout quand on rentre dans les bouchons de la capitale. Mais ce qui est vraiment génial, c'est ça, c'est que dans les bouchons de la capitale, il est très doux, très fluide. On sent vraiment pas les kilomètres à son bord. Par contre, et ben il a tendance à consommer un peu trop d'électrons, avec une moyenne sur autoroute comptée entre 22 et 24. Donc ça, c'est un peu trop. Et par contre, sur départemental, périurbain, là, si on joue vraiment l'éco-conduite avec un pied très léger, on peut descendre en effet à du, alors vraiment très très bas, à du 16 et un peu en haut à du 18. Mais par contre, il est vraiment très agréable à conduire. Et l'autre bémol aussi, c'est en ville. En ville, je trouve qu'il consomme un peu trop, donc entre 20 et 22. C'est assez dommage, mais bon, que voulez-vous, c'est qu'il dispose d'une batterie de 87 kW, donc la grosse batterie, et donc potentiellement, on peut faire 500 bornes avec. Et c'est ça. Question recharge, et bah écoutez, la recharge, moi j'étais agréablement surpris puisqu'il est annoncé à 130 kW en pointe. Et en effet, j'étais sur des bornes et il a vraiment atteint 130 kW sur plusieurs minutes, entre 30 et, non, entre, oui, 35 et quasiment 50. Et avec une moyenne de recharge pour un 20-80, j'ai fait du 115 en moyenne et donc à peu près en dessous de 30 minutes, j'étais à 27 minutes à peu près. Donc ça, c'est une très bonne surprise, donc ça tient la charge. C'est pas génial, mais c'est, voilà, c'est vraiment convenable. Et, mais par contre, le plus produit de folie, c'est qu'il est équipé d'un chargeur en courant alternatif de 22 kW. Et là, c'est le game changer. Puisque les autres se contentent d'un 11 et parfois d'un 7, lui se recharge grosso modo deux fois plus vite quand vous êtes comme moi là, à Fontainebleau, où il n'y a pas de superchargeur et vous avez juste à le brancher, vous faites une petite course, une demi-heure, une heure, vous récupérez 100 bornes, alors que les autres, c'est même pas 50, c'est, ou même des fois 25 en une heure. Donc ça, c'est vraiment le game changer, surtout en sachant que ces bornes-là, généralement, vous payez à la minute. Avec du 22 kW, vous rechargez à fond et ça devient vraiment, vraiment pas cher. Donc, si l'objet de la voiture électrique vous intéresse, vous voulez quelque chose de familier, pensez-y, c'est vraiment super intéressant, bien que cette version-là coûte tout de même 60 000 euros. Et ça, c'est dommage. C'est un autre de ses défauts, parce que franchement, je suis presque prêt à le garder. Bon, moi, je vous donne rendez-vous sur la revue automobile. Vous aurez mes photos, vous aurez accès à mon texte un peu plus détaillé sur les performances. Et surtout, vous avez aussi les fiches techniques. Comme d'habitude, vous savez quoi faire. Hop, vous tapotez et vous allez nous voir sur larevueautomobile.com. Maintenant, je vais vous laisser apprécier son allure.